Salut, c'est Maître Les, bienvenue dans ce 7ème épisode et la suite de ce let's play sur Medal of Honor débarquement allié. Et du coup la dernière fois on avait terminé la 3ème mission, donc c'est parti pour la 4ème mission du jeu. Heureux de vous revoir mon lieutenant. Le débarquement à Omaha Beach et en particulier sur le secteur Charlie et sur Doc Green s'est avéré extrêmement difficile. Beaucoup d'hommes y ont laissé la vie. Nous avons établi une tête de pont, mais il nous faut encore savoir ce que les Allemands manigancent. C'est après seulement que nous saurons si la campagne de Normandie est un succès. Les résistants ont observé un mouvement de troupes ennemies au sud de Calais sur l'itinéraire prévu pour la progression de nos hommes. Deux grosses unités allemandes se regroupent actuellement près de Saint-Lô. Nous savons qu'ils ont investi un manoir pour en faire leur poste de commandement. C'est de là qu'ils organisent leur contre-attaque. Il vous faut trouver ce PC, l'infiltrer et mettre la main sur les renseignements tactiques qui concernent le plan d'attaque de l'ennemi. L'un de nos agents les plus sûrs au sein de la Résistance, une jeune femme nommée Manon Baptiste, sera là pour vous aider. J'ai encore quelque chose à vous dire, mon lieutenant. D'après le renseignement, les Allemands utilisent un nouveau char plus gros que ceux que l'on connaît. On l'appelle le Tigre Royal, à juste titre. Nous avons de bonnes raisons de penser que certains spécimens sont présents près du manoir. Vous avez ordre de recueillir des informations sur les capacités et, espérons-le, les faiblesses de cette nouvelle arme. Bonne chance, Powell. Je sais que cette mission est entre de bonnes mains. On est sur la première partie de la mission 4. Derrière les lignes ennemies. Il y a déjà des ennemis en face de nous. On va les buter avec le garant. Pour l'anecdote, là ça fait vraiment un moment que j'ai pas retouché au jeu. La dernière fois c'était le 1er août 2022. Donc on est en été, c'est chaud. On est le 24 mars 2023. Donc j'ai un peu plus investi, nouvelle caméra. J'ai un fond vert, j'ai un nouvel éclairage. On va débuter, hein, et on va faire attention à ce qu'ils nous ont dit dans le briefing. Bon, peut-être que vous pensez, ce que moi j'ai retenu du briefing, c'est qu'il y avait une femme. Non, moi ce qui m'a surtout fait peur c'est les tanks, hein, clairement. C'est dans la tête. Bam. C'est lui qui est avec nous, ok, d'accord. Content que vous soyez là. Les maquisards ont une planque dans le coin. C'est par ici. Ça marche. Ah, il ressemble beaucoup à Jack Griot. Ah, je sais que c'est pas les objectifs, mais j'ai envie d'aller voir si on peut quand même aller là-bas. Faisons attention. Ok. D'accord, là-bas. Ouais, bah en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette baraque, hein. Donc ça, c'est notre pote, ouais. Oh, regarde un petit peu la déco, moi j'aime bien. Bon, ouais, elle était gardée par des méchants, mais pas grand-chose d'extraordinaire. Oh, des chiottes. Oh. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une sortie derrière. Il y a aussi des gens qui nous attendent. Allez, faut mourir, monsieur. Attention. Ah ouais. Bien joué. Oh, bah oui, complètement. C'est bon, j'ai eu le réflexe. Ah oui, non, par contre, faut recharger. Ça va, notre copain, il est pas trop agressif avec nous. Il nous dit pas attention là-bas. Non, là ça va. Attention, prudence, des ennemis. Mais dis donc, les ennemis dans ce niveau, ils sont pas très compliqués. Ils sont un peu teubés, hein. Soyons prudents, on n'est pas à l'abri qu'il reste des ennemis. Voilà, totalement. Ça veut dire, s'il y a des ennemis, ça veut dire que je suis sur la bonne route. J'aime bien ça. Ça, c'est une bonne logique dans les jeux vidéo. S'il y a des ennemis, c'est que vous êtes sur la bonne route. Ici, il est caché dans les fougères. Là. Où ça, là? Où ça, là, où ça? Ah. Oh. Soyez prudent. Bah, je m'en doute. Allez, on va faire attention. Ils sont là. Ah, ils sont là, hein. Clairement, ils sont là, mais moi, je les vois pas. Hein. Ouais, effectivement. Ils sont là. Faites attention. Bah pourquoi il meurt pas? Ah quand même. Ah. Oh, fais gaffe, il y a mitrailleuse. Bon. Oh. Ça va, je suis dans l'angle mort. T'es nul mon gars. Ça va le faire. Ah, pour la forme. J'arrive te débusquer mon lapin. J'ai un peu tiré à côté mon lapin. Vas-y, soigne-toi, t'as raison. Oh là là, je me demande ce qui va se passer. Salut.
Alors j'en profite de ce petit moment de calme pour vous dire, bah, j'espère que vous aimez ce fond vert, hein, parce que maintenant je suis en full incrustation. Et que oui, bon, l'incrustation qu'il y a eu au début de la vidéo, c'est un test. En fait, tout est très expérimental encore dans cette vidéo, voilà, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai investi. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Bien sûr, et il y a du monde. Attention. Metal Blaze alias Jesus est là pour vous servir. Bien, hein. Très coloré, très coloré. Alors vous m'entendez peut-être avec la voix un peu enrouée. C'est normal, c'est le début du printemps et je fais des grosses allergies. On peut l'ouvrir ou pas? C'est ça qu'il faut faire? Pas du tout. Ah si, c'était ce côté là. Il y a juste un petit délai, c'était un peu bizarre. Descends! Tu descends! Viens! Tu descends! Putain d'allié! Ah, je t'arrête de me dire, il y a un objet. Non, c'est juste un polygone qui déconne. Parce que oui, Medal of Honor, débarquement allié, tourne sur un moteur déjà existant et un moteur qui permettait pas forcément d'afficher ce genre de choses. C'est peut-être pour ça que ça déconne un tout petit peu. Ah oui, ça fonctionnait sur Quake 3. C'est la fameuse madame qu'on voyait dans la cinématique. J'ai plus de voix. Vous êtes l'agent américain? Ouais. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour arriver jusqu'ici. Ouf, ça va. Il vaut mieux que vous n'utilisiez pas vos armes habituelles, elles sont beaucoup trop bruyantes. T'as autre chose? Merci. Allons-y. Donc maintenant on est en mode infiltration, enfin peut-être pas infiltration mais au moins, ouais, ok. Je vais sauvegarder. Et on repasse sur cette scène. Donc oui, j'ai dit précédemment, je sais pas encore sur quoi m'incruster en fait, hein, sur ce plan là. Moi, mon ressenti sur cette quatrième mission, je le sens bien. Là pour l'instant, tout se passe sans accro. C'est juste parfait, j'adore. Ouais, sauf que ben, vous allez voir la suite. Je vais essayer de réduire les délais entre les épisodes, parce qu'à chaque fois je vous sors les épisodes tous les deux mois. Astrala, ça se terminera l'année prochaine, ouais, parce que ça fait déjà un an que la série dure en plus de ça. Et donc on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans l'épisode 8. Allez, salut.